Les spécialistes du TOF avec quelques thèmes ce soir. On va parler de la belle victoire de Stephen Jones dans la course principale de samedi. Également Jeannot Bardetier, la série qui continue pour le jockey mauricien. Deuxième actuellement au classement derrière Raidurawan. Raidurawan qui justement a mené à bon port Barney Barnato, complètement retrouvé cette saison. Shailesh Ramdin qui se signale également avec Ekta Tiger et Mount Hillaby. Et puis il sera question aussi de Kapiti Coast et de l'enquête de Marc Dumatin dans cette émission. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nous prévenons en grande partie sur la journée écoulée avec d'abord la victoire de Skippy John Jones. Nitin Lekraj, bonsoir. Bonsoir, Rachid. Nous regrettons ensemble la victoire de Skippy John Jones. C'est parti pour la course principale avec un bon départ pour Hot Rocket à l'intérieur, également sollicité par Cot, tout comme Vettel. Puis on retrouve Diamond Light, Bastide, Skippy John Jones, Kalinago, complètement à l'extérieur. Ice Axe qui va lancer cette épreuve. Ice Axe a l'avantage maintenant, mais à l'intérieur, il y a Parker. Puis on retrouve Vettel, Kalinago, Hot Rocket, Recall to Life, Diamond Light, Skippy John Jones et Bastide en queue de peloton. Avec l'avantage toujours donc pour Parker maintenant qui est parti en tête. Parker a ravi du commandement à Essex. Vettel va se poster tranquillement en troisième position. Puis on retrouve Kalinago à l'extérieur de Hot Rocket. Recall to Life, Diamond Light, Skippy John Jones et toujours Bastide qui ferme la marche avec l'avantage pour Parker qui contrôle très bien la course devant Essex, Vettel, Kalinago en dehors de Hot Rocket. Tout juste derrière, il y a Diamond Light, Skippy John Jones et Bastide. Recall to Life se retrouve maintenant sur l'arrière-main de Kalinago. Voilà maintenant, Vettel va forcer la lueur face à Parker. Parker donc, Vettel maintenant va passer devant Parker, Kalinago tout juste derrière, Ice Axe, Recall to Life, Hot Rocket également bien placé, Diamond Light et Skippy John Jones vont se mettre en évidence et Bastide toujours en queue de peloton. Les chevaux maintenant entrent dans la ligne droite avec Kalinago à l'extérieur de Vettel, Parker toujours à l'intérieur, Recall to Life entre les deux, Recall to Life est lancé face à Parker, Vettel, Hot Rocket va aller chercher le passage à l'extérieur, il y a Skippy John Jones qui termine en trombe, et Skippy John Jones termine en trombe face à Recall to Life. Skippy John Jones s'impose devant Recall to Life, Diamond Light. Skippy John Jones, bien emmené par Swapnil Rama. Et le moins qu'il nous capable de dire pour ce cheval dans sa course là, c'est qu'il est impressionné parce que c'est un grand cadre quand même pour faire de cette manière. Et c'est quand même époustouflant. Oui, moi, cacher tout, c'est un moment de cheval préféré. Et au changement, je pense beaucoup de cheval préféré, mais ça cheval là, depuis ce premier course qui s'est galopé avec Auril, l'ON 365 mètres, quand il a battu au Bobby Bear, un des courses qui est capable de gagner sa jour là, d'après moi. C'est un cheval qui, depuis sa jour là, me suit, et c'est un cheval vraiment qui est une francienne palier, ça, là, il y a plus de maturité, il est plus relax dans les courses. Et si vous avez ce parcours depuis qu'il est au changement, que ce soit le sprint, le C100, 1500, Zamelinga non placé, Lingalop 11 fois ici, ce quatrième les courses qu'il a gagné samedi, et Lingalop en 8 occasions sur sprint, sur des parcours de longue distance. C'est vraiment une course très versatile et une course qui donne toujours le meilleur de lui-même. Sur les courses de rentrée, le 1500 mètres derrière Bulsara, avec le jockey Rama toujours, pas de mauvais les courses, il n'a pas fini plus près ce jour-là si ce jockey pas besoin de reprendre lui. À l'entrée de la ligne droite. Il a progressé encore après ça, les courses. Le 1500 mètres, paraît un peu short pour lui, parce que c'est un cheval, tout connaît, c'est un cheval qui demande plus de distance pour exprimer. Et si vous regardez les courses, pas vraiment, ils déroulent en sa faveur. Parce que c'est vrai qu'au départ, il y a un rush avec Parker et Isaac, c'est Vettel et autres. Mais à partir du 1000 mètres, vous pouvez trouver que Parker réduit. Considérablement la lueur. Parker qui s'est muni d'essayer pour la première fois. Vous trouvez Ice Axe qui peut amener à l'extérieur ici. Skippy John Jones en avant-dernière position à ce stade à l'extérieur de Diamond Light. Mais une fois qu'Ice Axe pour placer en deuxième position dans le sillage de Parker, vous trouvez le train pour ralentir devant.
et point de cheval comme Skippy John Jones, qui est un long standing horse, qui est plus un stayer. Là, les courses pas à son avantage. Et pas facile pour ou expect lui pour sprinter et sur les derniers 500 mètres, avec son cheval qui est devant lui. Là. Vous trouvez là, Rama Pégale à l'œil, Recall to Life, qui l'a papier sur le principal adversaire. Là, vous trouvez, il y en a plein de ressources, il peut attendre le moment, le train ralenti. Vous trouvez, il besoin reprendre ce cheval ici dans le dos de Recall to Life. Et pour les capables, il y a sa paire qui sont ré-sprintés pour la suite là. Pas beaucoup de cheval qui sont capables de faire ça. Et c'est un long striding horse. Vous trouvez, Rama, il a opté pour l'extérieur complètement ici. Parce que c'est pas qu'à casser l'élan. Et les contours, le peloton complètement à l'extérieur. Et quand tu l'as, il y a un boulevard à l'entrée de la ligne droite. Il y a une tendance hanging. Souvent, il fait ça dans son van de course. Mais trouver, il revient le Recall to Life très facilement. Sur la vallée intrinsèque, définitivement, il y a un meilleur cheval qui Recall to Life. Ce Recall to Life, il n'est pas capable de battre le NC100 mètres. Ça veut dire qu'il est vraiment au-dessus de Recall to Life. Et c'est un cheval qui, définitivement, Patrick, l'entourage de Patrick Mervin, capable de nourrir un gros espoir avec lui en vue du Méden. Et le trouver sur Apnée de Rama permettait même le luxe de jubiler à cette foulée du but. Il connaît certainement Kidina en Bali, mais vu que Njoké, le commissaire expect lui, monte ce cheval jusqu'à la ligne d'arrivée, il fait des copes en la main 10 000 roupies pour ça. Et Skippy John Jones, l'année dernière, je me rappelle, il était en Ligue 1 des courses, dans une interview au paddock sur l'entraîneur. Tu peux dire qu'il y a une abat d'ambition avec sa cheval-là, peut-être même le Méden de cette année. Et nous pouvons écouter maintenant l'entraîneur Patrick Mervin qui peut-être peut donner plus de précisions là-dessus. Monsieur Patrick Mervin, belle victoire de Skippy John Jones dans la course principale. Quelles sont vos impressions sur la victoire de Skippy John Jones? Oui, on est très content. C'était une très belle course. On s'attendait un petit peu à ce qu'il fasse une très bonne course. Hein. Dans ce lot-là, je pense qu'il avait vraiment, quand on voit sur papier, il avait vraiment son mot à dire. Bon, le cheval était en pleine forme. On a pu voir dans le paddock. Je crois qu'en look, c'était le best look de peut-être même de la journée. Donc, c'est un fait que on s'attendait à ce qu'il fasse une très 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 bonne course. Est-ce que vous craignez la distance? Oui, un petit peu, oui, parce que 1600 mètres, c'est pas vraiment sa meilleure distance. Hein. Mais comme il avait fait une très bonne course, je pense que c'était sur 1500 mètres. Il était un petit peu gêné au tournant. Il avait quand même fait une très très bonne course. Donc on s'est dit 100 mètres de plus, ça peut être que le faire du bien. Mais aussi, il faut voir que les adversaires du 1500 mètres, c'était beaucoup plus coriaces qu'aujourd'hui. Hein. Il y avait les Bulls Sahara, il y avait des bons chevaux dedans. Hein. Enfin, je pense qu'ils étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Vous fondez beaucoup d'espoir sur ce coursier cette saison. Quels sont ses plans, les plans du cheval au cours des fils des journées? Mais justement, je disais ça à Jean-Philippe dans la journée. Là. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de course de distance pour ces coursiers comme lui. Donc, il faut faire avec. C'est pour ça qu'on court les 1600 mètres. Le planning, ça va se faire par rapport aux distances qu'on aura. Effectivement, comme vous dites, c'est plus, notre planning est plus pour le Tour de Golden Trophée, le Méden et ainsi de suite. C'est plus ça dans ses codes, mais il faudra s'adapter avec les courses qui vont venir. Patrick Mervin compte déjà 8 victoires cette saison, 2 courses principales avec Rougaran et Skippy John Jones. Vous êtes-vous fixé un nombre de réussites cette saison? Mais écoutez, vu qu'il y a moins de journées cette saison, si on peut arriver à une quarantaine de victoires, on sera super content. Vu qu'il n'y a que 35 journées cette fois-ci, on avait fait, en comptant les internationales, on avait fait 46 victoires l'année dernière. Mais il y avait beaucoup plus de journées. Hein. Donc, même si entre 35 et 40 victoires, ce sera bien. Et
Skippy John Jones qui démontre son potentiel cet après-midi. Il y a aussi le Todd Golden Trophy et le Maiden, comme vous le précisez, un bon candidat pour la victoire. Est-ce que l'écurie Patrick Mervin font d'espoir pour le titre cette saison? Écoutez, le titre, ça a toujours été, bon, toutes les écuries courent pour le titre, hein, en tout cas pour avoir la meilleure des places possibles sur le podium ou même en dessous du podium, mais faire le mieux. Hein. Mais on a toujours eu ces deux dernières années-là, ou trois dernières années, on n'a pas eu de victoire classique, et c'est là où la différence se fait. Hein. Bon, on n'avait pas, l'année dernière non plus, on n'avait pas vraiment, à part Liquid Motion, qu'on compte toujours dessus, on comptait toujours dessus l'année dernière, qui a fait deux fois second dans le Gold Cup. Ça aide énormément si on peut gagner un classique. Donc, effectivement, pourquoi pas le titre cette année-ci, après le titre du cheval champion et le titre de jockey champion, pourquoi pas le titre de l'écurie championne. Mais là, c'est encore très loin et il y a encore un long parcours à aller. Et il faut dire que pour le public en général, la compétition est extraordinaire. On peut voir toutes les écuries ont gagné, même si une petite écurie a gagné 2-3 victoires, c'est fantastique. Hein. Donc c'est très très bien partagé. Il n'y a pas d'écurie qui survole le championnat. Donc ça va être bien et je pense que la fin de l'année, la fin de la saison va être super. Voilà Patrick Mervin qui donne nous l'opinion notamment sur Skippy John Jones, interview réalisée par Kamlesh Rajkumar après la journée de samedi. Je salue la bonne performance de Diamond Light pour se rentrer. Diamond Light qui a encore une fois une galoupe placée. C'est vrai qu'ils ont mis une galoupe non placée ici au Sandmoss. 13 victoires et 21 accessis en 34 sorties. Vous avez dit qu'il était beaucoup moins fit par rapport à Rick Roll to Life et Skippy John Jones, mais malgré tout, galopé sur l'équerre et une réussite à accrocher une honorable troisième place à l'arrivée. Voilà, nous enchaînons avec Jeannot Baudetier, les cavaliers mauriciens en forme depuis le début de la saison. Raidu Rawan, Jeannot Baudetier, Swapnil Rama, Vinay Naiko, Roland Boutaniv qui ne signale les points une première fois cette saison samedi. Jeannot qui mène à bon port Wind Glider. Et puis, il fait également avec Snappy Windglider, côté and Patient Ride qui avait payant. Oui, nous t'y expectons pour garder une plus forward position, mais nous trouvons qu'il suive en midfield cette fois. C'est un cheval qui, l'année dernière, c'est dans 3 ans, était venu ici, une gain maturité, il est plus versatile, plus maniable. Et il suit en midfield. Pourtant, il est sorti d'un deuxième couloir. À la balou qui tient sur le principal adversaire, une place lui devant lui à l'ouverture des boîtes. Le train qui est mené par Destiny Steel et Captain's Chronicle. Et vous voyez que malgré les sollicitations de Winglade, pas pareil, il démontre sa vitesse qu'il tu connais dans l'année dernière. Là. Mais bon, Baudetier pas de paniquer. Vous trouvez là, il suit tranquillement en midfield. Il a encore mis de pression un peu lorsque c'est val ici. C'est garde contact avec Van Meneur. Vous trouvez la nouvelle unité Seven Fountains de Guillaume Chagasdor ici à l'extérieur, en épaisseur. À l'extérieur de Windglider, il y a Blueberry. Dégager de l'intérieur de la piste Destiny Steel. Et à partir du 600 mètres qui nous trouvait qui vraiment les prend son mot, les rapproche lui du peloton de tête et ce qui a fait qui a l'avantage c'est qu'il est à environ 500 mètres du but, plusieurs de son adversaire quittent les bords pour aller galop au milieu de la piste quand le terrain est plus bon. Qui se retrouve cependant à l'intérieur. Baudetier, il reste à l'intérieur. Et Valindia, après les courses, The Shortest Way Home, c'est à l'intérieur. Et il monte sur le Hands and Heels et il réussit à résister au retour de Donc c'est Donc. Qui me confirme sur bonne dernière course avec Rama. Donc c'est Donc qui est un peu malchanceux, qui est capable de faire la différence. Parce que si vous regardez le film là, au 400 mètres, vous trouvez. À la balou, Sorieli en dehors et il a besoin de couvrir plus de terrain.
J'ai trouvé qu'il finit fort à la fin. Mais Wing Glider, c'est déjà pour une option sur la victoire. On trouvait à la balle qui peut faire illusion à 300 mètres du but. Et donc c'est donc une bizarre à mort sur l'attaque complètement à l'extérieur. Et nous tous à l'intérieur, j'ai un Obadotti qui pendant ce cheval coup de cravache et qui monte ce cheval Hands and Heels. Wing Glider qui remporte une belle victoire et qui probablement façon Killing Galoop ça les course. Bon, pour moi aussi, c'est un cheval qui demande peut-être plus de distance pour exprimer à l'avenir. Tiens, les débuts de Seven Fountains qui termine une bonne troisième place pour sa première course ici au Champ de Mos. Et Jeanne Baudetier, Snappy, qui n'a pas fini de gagner depuis 2013, parce que 2014, il n'a pas gagné du tout sa choix-là. Snappy, qui retrouve lui, donc, pour son 11e victoire au Champ de Mos. Snappy qui est passé une bonne trial avec les ailiers quelques jours avant cette course. Mais sur l'entraîneur qui n'a pas de mettre les ailiers avec lui en course. C'est un cheval qui est bien ardent. Et ce qui est étonnant dans ce victoire samedi dernier, c'est qu'au départ, Baudotier est bouncy. Et ce n'est pas un cheval facile pour reprendre lui une fois qu'il demande des efforts dans la partie initiale. Donc il est sorti du premier couloir et il gagne sur les courses probablement ici. Ce n'est pas facile pour ceux avec des paramètres qui sont très véloce. Mais Baudotier fait Raju Rawan travailler un peu pour prendre le lead sur des paramètres. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il part à la suite, après avoir bousculé Snappy au départ, il réussit à reprendre Snappy pour s'atteler dans le dos de The Pyman. Ça a montré un peu, nous tout connaissons, une Baudotier a une main très solide, une bras très solide. Et il réussit à s'atteler sur ce cheval-là. Il réussit à relaxer lui dans le sillage de The Pyman avant de le battre ensuite. Qui commence maintenant au sprint dans les derniers 300 mètres. C'est-à-dire qu'il est probablement Snappy, qui est un cheval qui a un pied délicat. D'ailleurs, après ce premier des courses ici, il se retourne avec une boiterie. Ce cheval-là, il apprécie sa going-là samedi. Snappy devant The Pyman, Counts Rocket, qui fait troisième dans sa les courses là. Et comment au fin trouve ça choix là quand on se roquette pour une première ici? Moi penser il est sur bad limite sa première les courses là, mais il réalise une performance très prometteuse, une bonne mise en jambe en vue de la Duchesse qui pourrait être probablement une man partant l'écurie Mega. L'in suive en arrière-garde et l'in réalise vraiment une très belle fin de course. Le parcours tient un peu court pour sur aptitude. Bon, c'est un cheval, c'est plus un mile. D'ailleurs, il y a dans deux occasions sur ces 100 mètres de ce pays natal. Counts Rocket, depuis 6e couloir, nous regardons tous ensemble maintenant. Il n'est pas aussi mal sauté. D'ailleurs, même l'autre barrière, si vous êtes sur barrière quelques semaines auparavant, c'est un cheval qui est bien sauté derrière Brave Leader. Mais le jockey n'est pas une bouscule. Et il ramène lui en arrière-garde. Il monte lui dans les derniers 400 mètres. Quand il trouve qu'il gagne tout ça kickback là. Mais ça n'a pas empêché et réfère beaucoup de terrain dans les derniers 400 mètres. Il trouve qu'il termine faux. Qui passe dans un premier temps, The Pyman qui tente de résister à l'intérieur, cependant, avec à l'extérieur Al Romanov lancé par Vinay Naiko, mais Snappy, quel avantage face à The Pyman. Snappy lancé par Jeannot Bardotier, Snappy va l'emporter devant The Pyman. Et Counts Rocket qui certainement à suivre pour l'avenir. Nous quittons Jeannot Bardotier pour cause Raidurawan avec Bonne Bonato, 2 sur 3 pour Bonne Bonato cette saison, second. L'autre, sa deuxième sortie de Bronco Buster et samedi, il gagne facilement. Oui, c'est un cheval qui, l'année dernière, il gagne pas mal de problèmes, il saignait. Mais bien saluer les efforts sur l'entourage qui ne réussit à mener à son meilleur niveau sur l'année-là, à force de patience et de persévérance. Ce cheval-là, il galope 3 les courses sur l'année-là, il gagne 2 les courses, il termine une fois second à ce dernier sortie quand il gagne battu au Bronco Buster. Là, aligné dans les courses-là, quand il y a le grand favori Brave Leader
qui malheureusement pas à la hauteur des espérances. Bon, on est bon à tout. Ils suivent on off pace. Et je pense que l'état de la piste peut probablement l'inconvénient lui. Nous trouver une sortie du deuxième couloir. Bon, c'est Brave Leader qui est sorti du deuxième couloir. Brave Leader qui ne sollicitait pas Bardotier ici. Avec la pression des Supersoniques, ça va sur l'intérieur. Il a besoin de faire un petit effort pour prendre le lead. Bon, on est bon à tout. Ils nous suivent en cinquième position à la cour d'ici. Mais nous trouvons que par la suite, au bas de la descente, Rajurawan est déboîté. Là, ce cheval est bien relax. Oui, l'idéalier Esteco ici. Et Rajurawan qui prend la bonne décision. Pour ce cheval peut gagner un kickback. Et ils sont aussi les Vinois 9. Avec le gris Laserbolt à l'extérieur de Supersonic Sam, Quite Something en épaisseur, Princeton Esteco et Barney Barnato, le coursier de l'écurie Pedro. Vous trouvez Princeton ici en épaisseur et il améliore sa position graduellement. Là, nous trouvons clairement qu'il was traveling like a winner. Il est bien facile. Et il revient assez facilement sur le peloton de tête. Et dans la ligne droite, c'est un cheval qui a un joli point de vitesse final. Et on aura Durman chez la cravache. Il laisse surplacer l'adversaire pour gagner dans un joli style devant Princeton qui prend démérité, qui est probablement une bien content sa goïne. Bon et bon à tout. Donc devant Princeton, Brave Leader, certainement à revoir, parce que c'est un cheval qui mérite d'être suivi ici à Maurice. Au classement des jockeys, je vous trouve la situation, c'est Rajurawan qui mène donc au classement général, avec 8 victoires devant Jean de Bardotier, 7 Brandon Nerena, qui retrouve le sourire après 3 semaines sans victoire. C'était grâce à Rebels Game, nous vignons l'Impeplita. 6 victoires pour Brandon Nerena, Derek David 4, Daryl Holland 4 également. Pour Swapnil Rama qui retrouve Lee avec 4 victoires. Un match du Rajurawan Bardotier en ce début de saison. Rajurawan qui tient également celle sur le malheureux Mountain Thunder. Oui, Mountain Thunder qui malheureusement qui souffrait d'une bleeding attack et qui finit effondré et en ligne droite. Heureusement. Plus de peur que de mal pour Rajurawan. Le Bouguette Samanzi Mazda maintenant. Ici, nous trouvons Mountain Thunder, lâche prise d'Inepli Petravel. Nous devons essayer de la pour vaciller. Avant d'écraser l'eau, la piste. Pas de mauvais cheval à Mountain Thunder, un cheval très régulier qui s'est réussi à ramener 2 victoires en 14 sorties ici au Champ de Mars. Voilà une triste fin pour Mountain Thunder et c'est vraiment Ben Dimas qui n'est pas content de trouver en course, mais ça fait partie malheureusement du domaine hippique. Nous enchaînons avec Shailesh Ramdin. Ekta Tiger, Mount Hilabi, 2 victoires, ça aurait pu être mieux, mais déjà 2 victoires, ça permet de continuer sur l'ancienne bonne série. Oui, avec Ekta Tiger tout d'abord, qui un cheval qui une récit, signe sa première victoire ici au Champ de Mars, tient un bon rythme dans les courses. Par contre, là, ça paraît un peu short pour lui, mais le fait qu'il tient un bon train avec Paul Talbot, Torero et McNaught, c'est-à-dire Roland Boutani, une récit. Troublé dans le bauxite derrière sa main de meneur là et il profite pleinement de sa bon train là pour faire la différence en ligne droite. Bon, voici également l'état de la piste, également un avantage. La piste qui tient à 3.0 avec l'appli de temps en temps samedi au Champ de Mars, Paul Talbot qui saute du premier couloir. Oui, Paul Talbot qui est le grand favori qui subit la pression de Torero à un moment qui est monté par le jeune Belaldinat. Vous pensez pour Talbot, à un moment au bas de la descente, trouver les drop de bit, les pas, puis travel, comment il est habitué, travel. Vous
pensais qu'il y a une grande possibilité qu'il s'évale là, pas apprécier l'état de la piste et nous arriver à une prochaine occasion. Torero avec Belalvinat, c'est une instruction pour le galop des vents et l'autre interview. L'HP dit à nous que ce cheval n'est pas sauté comme l'HP expecte, donc après les mises en fait des faux pour prendre le lead. Alors qu'il y a Ekta Tiger, il fait une gagne de course tranquille en 3-4e position. Oui, Roland qui déboîte au bon moment. L'HP suit pour Talbot qui tient le papier sur le principal adversaire, mais quand il est trouvé pour Talbot, le papier avance comme un bisin. Il décide pour sauter et ce cheval bien accéléré dans la ligne droite pour remporter une belle victoire devant Joyful qui est bien terminé. Ekta Tiger, et puis tout aussi facile, ou sinon plus facilement, la victoire de Manti Labi. Oui, Manti Labi qui semble avoir retrouvé sa forme sud-africaine qui peut justifier enfin un gros espoir placé en lui sur l'entourage, quand son entourage s'est parce que c'était un cheval qui nous rappelle l'année dernière, sur l'entourage, il a mal l'ambition d'un championnat 3 ans avec lui. Par la suite, il me perdit forme, il me perdit également pas mal de points sur l'échelle des valeurs, mais. Là, depuis le début de la saison, nous trouvons, il montre nous un tout autre visage. Et après cette belle victoire au dépens de Hector Vélel au 1000 mètres, il confirme ce forme ascendante samedi. Il suit à l'extérieur en début de course. Nous vous trouvons ça un petit moment. Une course que Artful Prince dirige les opérations. Trouver Maranti Labi bien rapide. Suivent à l'extérieur de Adistar. Les chevaux sont au tombeau à l'Arctique avec donc Artful Prince qui dirige les opérations de Mountain Tundusk à Walkluke. Il est bien relax même si il est en one-off ici. C'est un cheval qui galope régulièrement sur 1500, 1600 mètres. L'année dernière, il est sorti 4e lot, 1600 mètres de Captain McPie. Et le fil patch extraordinaire. Mais il gagne quand même dans un joli style qui permet de nous croire qu'il est capable de gagner encore d'ici la fin de la saison. Belle course de scorecard, la nouvelle unité de l'écurie Ramchoa Gadida qui prend la 2e place à l'arrivée. On la monte Hillaby, un bon coursier qui peut-être pour Fiemli est comme une révélation cette saison après une première saison plutôt décevante. Pourquoi pas Rebels Game qui est capable également montrer à la hauteur jusqu'à la fin de la saison. Déjà une victoire côté Liffin Fairwide tout au long du parcours. Oui, c'est un cheval qui est parti mal galopé sur premier sorti. Il peut retourner après une longue absence. Il a battu en inside out. Il a hang in, hang out durant le parcours. Et après quelques petits réglages avec un écrou dans la zame, c'est valable de démontrer son vrai potentiel dans sa 8e course. Une course que l'écurie Silas Ramlin est capable d'aspirer au triplé avec Wind Power. Malheureusement, Wind Power dans la ligne droite, il essaie Savage Rebels Game alors qu'il est à la lutte avec ce dernier et dans les derniers mètres. Et le coursier de l'écurie Mingor donc qui réussit à prendre le dessus dans les derniers mètres. Nous regrette tout ça maintenant avec Rebels Game. Ici, depuis 7e couloir, si ça sur l'extérieur, Tina Wind Power. Oui, l'état de la piste est déjà bien empiré et dans sa 8e course. Et nous trouvons que Rebels Game et Wind Power, ils ont opté pour complètement l'extérieur dans sa dernière course. Rebels Game qui nous trouvait, il n'a du pas. C'est un Zen Seval qui panne galop beaucoup en Afrique du Sud. Ici, seulement ce 2e sortie. Les chevaux accrochent dans quelques foulées. Le tombeau. Et nous trouvons Wind Power en queue de peloton ici. Young Royal en dehors. Young Royal qui peut diriger les opérations devant Inside Out qui a la corde. Et Rebels Game qui ne settle ici en épaisseur. Je vous rappelle ce dernier course, Litchi drop the beat un moment en descente. Là, il montre les plis appliqués. Young Royal qui est parvenu à ses fins en tête de Brandon cette Lerena qui montait les courses très patientes. Harba n'est pas mal non plus. Dan Raven, Brandery, Nice Trigger. Et pour un moment, il a accompagné le choix. Il faisait Amos sur l'attaque complètement en épaisseur.
Rebels, game qui a eu un parcours difficile à l'extérieur, inside out et dans un faux. Et il nous a couvert beaucoup plus de terrain par rapport à l'éventuel vainqueur. Là, Wind Power revient assez facilement sur Rebels game. Et nous trouvons qu'il environ 75-100 mètres du but, dans un zeste de dépit, nous trouvons Wind Power, c'est Savage. Rebels game qui est fait la différence. On est de plus près maintenant. Donc après Rebels game qui a gagné la dernière course, maintenant Nitin nous passe au gros morceau de cette émission, c'est-à-dire Capiti Coast. Capiti Coast victorieux facilement dans 7e course de samedi. Les courses qui viennent diversement commentées, notamment parce que avant sa sortie là, Capiti Coast tienne favori battu. Oui, la victoire de Capiti Coast qui suscite pas mal de réactions parmi les TFIS, mais également parmi les professionnels. Il suscite également des réactions hostiles à l'encontre de l'entraîneur Vincent Allette et du jockey Daryl Holland. Ban commissaire qui fin ouvert une enquête, qui fin écoute ban protagoniste samedi après la journée de course et qui fin ouvert une enquête lors la monte et les instructions données à ce cheval donc lors de la 5e journée, l'enquête qui fin dure pendant plus de 3 heures hier, et à l'issue de cette enquête aucune charge n'a été retenue, que ce soit contre l'entraîneur Vincent Allette et le jockey Daryl Holland. Mais c'est-à-dire que le main concern des commissaires et des TFIS en général, c'était la tactique adoptée sur le cheval Capiti Coast lors de la 5e journée. Nous rappelons ça jour-là, comme on dit, a dit que cheval-là tient un grand favori, sorti du premier couloir. Et au départ, le jockey Holland qui ramène le cheval en arrière-garde, as per instruction, donc selon les instructions de son entraîneur Vincent Allette, qui t'y demande lui. Take a seat and go for cover. Comment le trouver? Il ramène ce val-là. L'entraîneur Vincent Allette qui assume l'entière responsabilité pour la tactique qui s'est adoptée par le jockey Holland Sazoula et qui déclare au commissaire qui, selon lui, c'était la meilleure façon de monter sa cheval. Nous rappelle ça, les courses s'attirent en portée éventuellement par Craftsman. Capiti Coast qui est muni de drop noseman ce jour-là. Il se calme pendant le yagod et puis dans la ligne droite, il part accélérer, comment aller accélérer lors de la deuxième journée quand il vient battre avec Ram Tum Tugger. Oui, c'est Valen, disons que la guerre, c'est Valen sur la majeure partie du parcours, c'est Valen assez ardent. Et il part accélérer vraiment dans la ligne droite finale. Craftsman qui gagne les courses ça très facilement devant Lietuva. Il y a Craftsman également là, Lietuva qui a le meilleur pour l'instant. Billy Bojangles s'en sert, Craftsman qui a l'avantage pour l'instant. Craftsman semble-t-il le numéro 1, Craftsman qui va l'emporter devant. Ce qui interpelle Ban Commissaire et Ban Chuffis, c'est que samedi, au départ, nous trouvons que le jockey Holland il sollicite quelque peu Capiti Coast au départ. Et là, Ban Commissaire il demande l'entraîneur et le jockey si ce n'était pas contraire à ce qu'ils ont affirmé lors de la 5e journée, que je disais pas, c'est un cheval qui n'est pas capable de bâtir vraiment. Et là, nous vous trouvons ça au film. Au départ, en partant du 5e couloir, le jockey Holland qui finit sur le cheval. Et là, l'entraîneur Vincent Allette il expliquait qu'il, vu que l'état de la piste partit bon à l'intérieur, c'est vrai que c'était une piste molle 3.0, pareil comme la 5e journée, mais là, vraiment, la piste s'est détériorée et la plupart des chevaux, tu peux galoper au milieu de la piste. Il décidait en tant que parcours, de meilleur sens ce cheval, donc il demande ce jockey to get the horse in the race on good going. Donc, vous trouvez ce cheval-là sur la tête, levé à la gauche, et ce jockey-là, immédiatement après le départ, il essaie et rôde le terrain à l'extérieur. Le jockey Holland qui explique au commissaire qui pour lui, c'est pas vraiment un changement de tactique parce que même si l'IP sollicite ces vals-là pour
en déo au départ. Si vous avez le film là, bien, vous lui montrez ça d'ailleurs au film, il dit que même ce qu'il peut solliciter, c'est voilà, il prend le temps pour mettre en action. Et après 100 mètres les courses, il y a encore en arrière-garde. Et il montre le film à l'appui, il explique que si tête bassette qui tient sur l'intérieur, pas gêné sur la partie initiale, tu peux avant-dernier dans les courses. Vous pensez que nous avons l'occasion de retrouver ça sur le film un petit moment. Vous trouvez tête bassette sur l'intérieur ici. Tête bassette qui gênait entre Kentucky Bluegrass et Capiticos. Et le jockey Lirena qui vient reprendre ce cheval. Et nous trouvez Hollande qui sollicite ce cheval ici. Obligation sur l'extérieur. Secret Traveler. Nous trouvez le jockey d'Obligation, Derek David, qui reprend Obligation. Et là, si nous arrêtons le film là, vous trouvez que malgré les sollicitations de Hollande, ce cheval-là, Lionel Yegor, et si tête bassette partie gênée, probablement tu prends en dernière position, en avant-dernière position dans les courses. Ça. Ben, le commissaire qui prend ça en considération, qui prend également en considération le fait que Vincent Lett, une des autres qui dit que c'est ce valet d'un citation beat, donc pour être joqué là, essayer de contrôler ce valet un peu mieux. L'entraîneur Vincent Lett qui finit également assis durant l'enquête le propriétaire du cheval, un des propriétaires du cheval du moins, François comme témoin. François qui finit expliquer qu'il était joué ce cheval-là sur les conseils de l'entraîneur et du jockey lors de la cinquième journée. Nous rappelons ce jour-là, ce cheval-là tient un gros favori côté à 300 roupies. Et il dit au commissaire que ce cheval-là était tellement décevant ce jour-là que samedi, même si sur l'entraîneur, il y a lui qui peut essayer un nouveau équipement, ça a été un beat avec ce cheval-là. Les pannes jouer ce val là samedi, mais il explique au commissaire qu'il est satisfait qu'à chaque fois, que ce soit lors de la cinquième journée et lors de la septième journée, il est satisfait qu'il se jockey, il monte ce val là de la meilleure façon qui soit. Donc, ce qui finit passer dans la salle des commissaires, une nouvelle fois diversement commenté par les turfistes, les courses que nous connaissons dans Maurice qui suscitent pas mal de passion, d'où les différents commentaires. Si vous demandez mon avis personnel, les courses samedi, si nous avons le film là, au bas de la descente, nous trouvons que malgré la pauvre, pas quoi ça a été Sean Beaton et ce val là, sa quantité là, parce que si vous avez la descente, ce val là encore bien plein allant, le jockey peut retenir. Si ça les courses ça, si Capiticos galope comme Aline galope, ça me dit loin de la piste normale, mais pas quoi, il faut gagner les courses. Hein. Il peut descendre wide, puis il y a beaucoup de trains devant. Probablement, ce val-là, il compte sa going là. D'ailleurs, si vous êtes sur forme en Afrique du Sud, des fois, il est bien fait, il est sur le second, la piste collante et la piste lourde. Et si vous êtes sectional time, les courses également, vous trouvez les derniers 400 mètres, ben, il presque mort aussi, il finit en 26 secondes. Il n'est pas vraiment accéléré, c'est ben, les autres chevaux qui pas travel dans sa going là, d'après moi. Vous pensez que les courses peinent n'ont rien à redire. Mais quand nous revenons sur les courses précédentes lors de la cinquième journée, ça joue là, je n'ai pas de doute de la bonne foi de l'entraîneur Vincent Allet et du jockey Hollande. Surtout si vous prenez en considération sur les courses lors de la deuxième journée, que ça joue là, si vous comparez les courses deuxième journée, cinquième journée, le départ, c'est des courses presque similaires. Je propose de nous regarder ce film-là. Ça, les courses, ça sont remportées par Rumtum Tugger. Et vous trouvez le jockey Hollande reprend ce cheval, pareil comme Aline Fair, lors de la cinquième journée. Et il y a seulement des différences. Des différences avec la cinquième journée, c'est qu'il lors de la deuxième journée, Salé Koussa est remporté par Rumtum Tugger. Il y a beaucoup de trains dans Salé Koussa. Just Be Brave a pris un bon train devant. Les courses sont dans N21. Donc, le fait qu'il y ait une septième ligne, il ramène une en arrière-garde, il bénéficie de sa bon rythme. C'est valable, c'est valable difficile. Hollande, il réussit cette ligne et il accélère à la fin. Par contre, lors de la cinquième journée, quand il y a un bâtiment en Craftsman, là, il a gagné la première ligne. Il a déjà une bonne ligne. Il prend une ligne, ramène ligne derrière. Pas de sa quantité de train qu'il peut expecter là. Et c'est valable de retourner derrière, piéger, la guerre au jockey là sur la majeure partie du parcours. Il n'est pas capable d'accélérer.
Je pense que Collingen, lors de la deuxième journée, la septième ligne, il est capable de cacher ce cheval-là derrière du septième couloir. Mais là, avec une première ligne au départ, je pense que, d'ailleurs, nous avons eu l'occasion de discuter ça sur ce plateau la dernière fois. Quand on a une première ligne, je pense que même s'il ne ramène pas ce cheval-là complètement, il est capable de poser la main. Les cheval-là tranquille gagnent une position au lieu de ramener complètement leur yegot. Vous pensez probablement ça joue là le jockey Hollande qui mal esprit, peut-être ça joue là qui commissaire qui est capable qui a plus grande pour sanctionner. Donc Capiti Coast qui remporte la 7e course de samedi comme Manu Spedia dit et qui du coup amène beaucoup de commentaires avec. Et après délibération, parce que c'est une enquête qui finit dur quand même, comme on peut dire, pratiquement 3 heures de temps. Et est-ce qu'il y a un bon journaliste, les temps d'assister à l'enquête là, je t'y perds tant. Les autres côtés, est-ce qu'il y en a quelque chose qui est annoncé? Oui, l'enquête dure pendant 3 heures. Il y a un moment, l'enquête, il y a un accrochage entre l'entraîneur Vincent Lett et avec un man commissaire. Et façon que l'enquête peut dérouler, et beaucoup de camarades pensaient que l'entraîneur pouvait sanctionner. Mais finalement, en prenant en considération, on pensait ce qui pèse dans la balance, qui fait que le commissaire ne sanctionne Vincent Lett, c'est l'état du terrain. Malin, il prend ça en considération par rapport à sa course de la 5e journée. Voilà ce qui est dit. Et un petit point, on dirait comme ça, Capitico, c'est 7e ligne lors de la 2e ligne. Au fait, il sort complètement à l'extérieur du 9e couloir. Voilà, point de rectification. Et concernant Capitico, nous enchaînons maintenant avec la sœur André Nérac Cup, qui, pour les courses principales de la journée, qui est venue, qui va galoper le 1400 mètres avec l'entrée pour ça, les courses-là. Et nous avons Casey Joie, Polo Royal, Azapel, Kruger Run. Le nouveau d'écurie que j'ai dit, Silver Bluff, Ashanti Gold, Twitter et Valéa. Nous aurions manqué deux coursiers entrés pour l'écurie Chalice Ramdin, pour l'écurie Gajdar également. Deux coursiers qui finissent d'entrer dans cette course face à Krugerran ou encore Polo Royal. Comment on trouve ça les courses, Anitin? Oui, des courses très intéressantes. Polo Royal qui peut retourner le sprint, qui est capable d'aller bicentenaire. Dans la semaine prochaine, mais probablement sur l'entraîneur et dans l'ambition avec Albert Mouni dans sa course. Mais moi personnellement, je pense que pour le Royal, au sprint, il est plus percutant. Il y a une course bien dure la dernière fois, derrière Boul Sara. Il a bien travaillé mardi. Je pense qu'il y a un man favori. Il nous a respecté et valé avec ce léger handicap. Et sans oublier Casey Joie, qui reste courageux, qui est un peu malchanceux à sa dernière sortie. Kruger Run, qui la fois dernière, t'y bien fait terrain à l'intérieur et pas nécessairement gagne toutes ses aises en ligne. Oui, il a bien travaillé à l'entraînement, mais il m'a pensé, et à ce niveau, il est un peu dur pour lui face à sa main de cheval. Kruger Run, qui vient nous trouver ici à l'entraînement. Il a bien travaillé à l'extérieur de Bobby B. Mardi. Voilà, Kruger Run face à Bobby Bear. Nous avons l'occasion certainement Révin en détail sur cette épreuve. Ce sera lors de l'émission de vendredi soir, à savoir Tough Time. Merci Nitin d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée. We'll be right back.
Fred and the T-Fatty. If I'm a boy with Fred and Brown Leaf, yeah. Crack money, run gun, a police. Come pass a bad boy, nip on the street, ragga. Twin player with the RTC. I took the Pedro, we kick out the boy, T. Cause we sweet, we need, we're not all for free.